Tout à l'heure, tu as donné un super cheminement. J'ai juste envie de dire quelque chose. Tu disais, première chose, trouver son objectif. Ok? Ouais. Première chose, c'est effectivement trouver son objectif. If I could write you a song to make you fall in love, I would already have you up. Cool it on me. Tiens, viens faire un coucou à la caméra. Ça, c'est ma fille, c'est la relève. Maïlis, tu fais coucou comme ça? Coucou! Voilà, elle va travailler, c'est bon. Et donc, ce que je veux dire, c'est que. Ok, trouver son objectif. Ouais. Ok, principal, chacun trouve son objectif. Après, il y a un truc, c'est pour ça que je reviens là-dessus, c'est attention. Faut pas non plus croire que. Faut pas se dire, bon, bah voilà, on a le même objectif, ok, super, et on va former notre groupe, notre clan, notre mouvement vers cet objectif-là. Et bien que ça soit clair. Il y a aussi ceux qui vont, à qui tu peux proposer de dire ok, cet objectif il est là-bas, mais pour arriver à cet objectif-là, j'ai besoin de construire ce truc-là. Ouais. Et bien pour ce truc-là, il y a des gens qui vont vouloir faire ce truc-là, mais qui n'ont pas forcément envie de s'impliquer sur toute la longueur. Sur ça tout va être des partenaires un petit peu. Ça va être des partenaires. Et c'est, voilà, exactement. Et moi je n'étais pas conscient avant. Avant j'étais extrémiste, j'étais t'es à fond, t'es pas à fond. Ouais, tu non, voilà, c'est ça, c'est ça. Et non, il y a aussi ça, et c'est très très important de développer des partenaires, des vrais partenaires. En fait, pas des partenaires d'affiche, tu vois. Ouais, ces mecs-là, ils s'en foutent du spectacle. Ils ont même pas vu le spectacle quand ils disent qu'ils sont partenaires. Non, des partenaires qui croient au projet, qui aiment le projet, mais qui n'ont pas forcément envie de te soutenir tout le long. Participer pour passer une étape, pour une étape. Franchir un palier. Voilà. Et après, c'est leur rôle, quoi. C'est leur rôle. Donc, choisir ton objectif là-bas, et puis définir quelles seront les étapes de ton objectif. Et. Là, comme je l'ai dit hier, ceci n'est qu'une étape du projet écolier. Je l'ai dit dans le speech à la fin. Bah, tu crées tes étapes et dans tes étapes, tu dis, tu proposes. Et tu as des gens qui vont s'ouvrir à que ces étapes-là. Yes. Tu vois? Et ça, c'est important parce que sinon, tu fermes trop de portes. Tu deviens presque une secte, tu vois, si tu dis, moi, je vais que là et j'ouvre pas de porte ailleurs, tu vois. Parce que tu crois. Parce que tu vas pas faire tout avec moi. C'est pas grave si on fait pas tout ensemble. Mais qu'on fasse ça, qu'on fasse ça, qu'on fasse ça. Créer des partenariats, quoi. Donc, putain, on a rien à faire, là. Bref. Je sais pas quoi faire. Je sais pas. Ah, tiens, j'ai entendu parler d'un blog. Ok. Attitude gagnante. Allez sur attitude gagnante .com.